Akili est si fatigué. Aujourd'hui, Akili a aidé sa mère à cuisiner des haricots et des épinards. Et puis, elle a écouté des histoires au sujet de sa famille. Maintenant, il est temps pour Akili d'aller dormir. Bonne nuit, Akili. Où est Akili? Elle est dans un pays magique. Akili doit être en train de chercher ses nouveaux amis. Te souviens-tu de leur nom? Little Lion! Happy Hippo! Little Lion? Happy Hippo? Que doit dire Akili pour répondre à Happy Hippo? Hello, Happy Hippo! Hello, Happy Hippo! Akili est si contente de voir son ami Happy Hippo. Mais où est Little Lion? Hello, friends! Hello! Tu es aussi leur ami. Fais un coucou à tes amis. Oh là là! Qu'est-ce que ça pourrait être? Let's go! Le mot famille, en anglais, on dit family. Disons tous ensemble family. Family! Aujourd'hui, Akili va rencontrer la famille de Little Lion. Je me demande qui pourrait faire un si grand rugissement. Hello. Father! Father? En anglais, le mot papa se dit father. Aidons Akili à dire le mot father. Father! Father! Who are you? I am Happy Hippo! Maintenant, c'est au tour d'Akili. Et que doit dire Akili? I am Akili. I am Akili. And I am Father Lion. And I am Mother Lion. En anglais, le mot maman se dit mother. Hey! Essayons de dire mother. 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 Akili aime aussi sa mère. Chantons une chanson sur la famille. We are family. We love each other.
Akili est si chanceuse aujourd'hui. Elle a rencontré la famille de Little Lion. Et maintenant, elle rencontre aussi la famille de Bush Baby. Mais Bush Baby n'est pas seule. Regarde, voici le papa de Bush Baby. Comment on dit papa en anglais? Father! Maman, papa! Ah! Qui sont-ils? Qui est-ce? Brother! Sister! Oui, c'est ça! En anglais, frère se dit brother. Et sœur se dit sister. Disons tous ensemble brother. Disons tous ensemble sister. Sister. We are family, family, family. We are family, family, family. We love each other. Family, family. We love each other. Family, family. Father, mother. Akili, Akili. Who is that? Et que doit dire Akili? Qui est-ce? Mother. Mother. C'est vrai, cela veut dire qu'il est temps pour Akili de rentrer à la maison. Comment peut-elle faire pour rentrer à la maison? Rainbow. C'est exact. Ils doivent trouver l'arc-en-ciel. Let's go! Let's run, run, run. Let's run, run, run. Let's run, run, run. To the rainbow. Let's run, run, run. Let's run, run, run. Let's run, run, run. To the rainbow. Let's jump, jump, jump. Let's jump, jump, jump. Let's jump, jump, jump. To the rainbow. Let's jump, jump, jump. Let's jump, jump, jump. Oh, ils ont trouvé l'arc-en-ciel. Mais qu'est-ce que le nuage voudrait qu'Akili dise? Pourrais-tu lui rappeler? Family! Family! Maintenant, il est temps pour Akili de rentrer à la maison. Que doit dire Akili à ses amis avant de partir? Bye! Bye bye! Au revoir, Akili! Bye bye! Il est temps pour Akili de commencer sa journée. Aujourd'hui, Akili va aider sa mère et son père va travailler autour de la maison. Elle fera aussi des câlins à son petit frère
et elle dira à sa famille combien elle les aime. Mais la nuit, quand le soleil se couche, une toute nouvelle aventure l'attend. Avec Bush Baby. Bush Baby est content quand tu dessines avec lui. Aujourd'hui, il veut dessiner des ballons. D'accord, Bush Baby, tu veux dessiner un ballon avec lequel jouer. Nous pouvons commencer avec un cercle, parce qu'un ballon a la même forme qu'un cercle. Peux-tu aider Bush Baby à dessiner un cercle? Au travail, Bush Baby! Peux-tu me dire le nom de cette forme? Cercle! C'est exact, Bush Baby! Peux-tu dessiner un ballon sur le papier? Tu as raison! Tu as fait du bon travail, Bush Baby! Est-ce que tu voudras dessiner un deuxième ballon? Bien joué, Bush Baby! Veux-tu colorier les balles maintenant? Oui, oui.
Bush Baby a les trois couleurs. Il veut peindre la première balle en bleu. Peux-tu l'aider à trouver la couleur bleue? Lorsque Bush Baby pointe sur la couleur bleue, appelle-le pour qu'il puisse t'entendre. Tu peux l'aider à trouver la bonne couleur, la couleur bleue. Bleu! Bien joué! Nous avons coloré le premier ballon. Maintenant, colorions le prochain ballon en jaune. Peux-tu aider Bush Baby à trouver la couleur jaune? Jaune! Voilà la couleur jaune. Disons-le ensemble. Prêt? Jaune! Beau travail, Bush Baby. Tu es un jeune artiste très talentueux. Maintenant, tu peux jouer au football. Salut les enfants! Aujourd'hui, je vais vous lire une histoire, une superbe histoire. Happy Hippo aime aussi lire des histoires. L'histoire d'aujourd'hui est... Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de maman. Un jour, Akili s'est réveillée tout excitée.
Hourra! Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de maman. Je vais trouver un cadeau aussi spécial que l'amour de maman. J'irai demander à mon amie la colombe, Di Akili. Oh, le cadeau doit être aussi grand que l'océan, dit la colombe. Akili et la colombe sont partis à la recherche d'un cadeau aussi grand que l'océan. Pendant qu'elles cherchaient, elles ont rencontré un papillon et lui ont demandé « Quel cadeau est aussi spécial que l'amour de maman ?» Le papillon a dit « Oh, le cadeau doit être aussi beau qu'une fleur !» Akili, la colombe et le papillon sont donc partis à la recherche d'un cadeau aussi grand que l'océan et aussi beau qu'une fleur. Pendant qu'ils cherchaient, ils ont rencontré une abeille et lui ont demandé « Quel cadeau est aussi spécial que l'amour de maman ?» L'abeille a dit « Eh bien, le cadeau doit être aussi doux que le miel !» Akili, la colombe, le papillon et l'abeille sont donc allés chercher un cadeau aussi grand que l'océan, aussi beau qu'une fleur et aussi doux que le miel. Alors qu'ils cherchaient le cadeau, ils ont rencontré la mère d'Akili. La mère d'Akili a dit « Où étais-tu, Akili? Je te cherchais partout !» Akili a dit « Maman, je cherchais un cadeau pour ton anniversaire. » Mais je n'ai pas pu trouver un cadeau aussi grand, aussi beau et aussi doux que ton amour. Ton amour est plus grand que l'océan, plus beau qu'une fleur et plus doux que le miel. Akili a embrassé sa mère et a dit « Je t'aime, maman. » Eh bien, à la fin, as-tu aimé l'histoire? Eh bien, jusqu'à la prochaine! Bye!